Nous avons commencé en fanfare avec le Summer Fitness Festival pour ouvrir cette saison d'été, donc sous des notes d'effort. Ça a été d'entrée pour nous une accélération très rapide qui a donné un dynamisme immédiat à la station. Et depuis, eh bien, on a nos vacanciers qui arrivent en nombre de plus en plus sur notre destination touristique. Les gens ils viennent ici, un, pour se reposer. Ça c'est un aspect important, et surtout pour les familles sur lesquelles nous capitalisons, on construit toutes nos activités pour que ça soit très facile pour eux, très fluide, que ça soit les vacances pour tout le monde en fait. C'est ça la particularité, donc les clubs enfants qui sont intégrés dans les villages vacances par exemple, on fait en sorte que les démarrages de l'ensemble de nos activités correspondent aussi à l'activité des clubs enfants. On a un club ado mutualisé, c'est quand même assez exceptionnel sur la destination, donc on a ce club ado qui, au niveau de la station, regroupe deux tranches d'âge, les 12-14 et les 15-17 ans. Et on leur fait vivre aussi des expériences extraordinaires. Et tout ça, devant la porte de leur village de vacances, les ados sont pris en charge, comme les enfants et comme la famille. Donc, pour une famille, venir au Carély, c'est en fait les vacances réellement pour tout le monde. Oui, il y a plusieurs temps forts. On a donc le Summer Fitness qui vient de passer. On a le concours international de sculpture sur bois grand format qui est en cours en ce moment. On aura la chance de recevoir Corps des Pics aussi, qui est historique sur le territoire, avec des pointures dans le monde de la musique classique qui nous offriront des concerts. C'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire, des concerts d'une qualité incroyable pendant une dizaine de jours. Ensuite, on a encore un événement vraiment spécifique. Vous disiez, c'est quoi l'ADN des Carélis? Eh bien, c'est les repas mutualisés, donc les fêtes du 14 juillet, 15 août. C'est des événements pour notre destination et c'est d'un coup 1500 personnes qui viennent déjeuner sur le front de neige, enfin en tout cas sur la partie centrale des Carélis, dans une ambiance festive. Tous les villages de vacances jouent le jeu, amènent tout ce qu'il faut. Ce sont des grillades, pour nous ce sont des orchestres, c'est la fête et c'est quelque chose qui est vraiment très particulier aux Carélis. Et ensuite on conclura la saison avec une innovation pour notre destination, une course en vélo, la Carélis Oïs, qui est une course en vélo en fait qui part du Bauchet tout en bas pour arriver sur les hauteurs des Carélis. C'est une course où on l'a dit, une course trois ambiances. On va intégrer dedans, donc pour les sportifs, ça sera un défi à faire tout seul, un défi à faire à deux, à quatre, et on va accepter cette année les VAE et les gravel, qui sont des activités en plein développement. Donc ça sera le 27 août, ça conclura comme on a commencé en fait la saison touristique. Les nouveautés, alors il y en a une qui n'est pas une nouveauté en soi, mais cause Covid devient une novité, c'est la réouverture de la mini-ferme, on parlait tout à l'heure du positionnement famille, c'est un équipement qui reçoit énormément de monde tous les jours, donc c'est l'occasion de croiser les lapins, les lamas, les moutons, les ânes, les poneys, on a ressorti les poneys du coup pour faire des promenades. Et ensuite vraiment en nouveauté deux choses, on a lancé le laser game avec un équipement dernière génération pour des enfants à partir de 6 ans, à faire en famille, dans les bois, en outdoor ou en indoor comme on veut. Donc ça on a 20 fusils et on a des séances comme ça toute la semaine. C'est pris d'assaut, c'est une super activité qui se fait généralement en fin de journée. Et ensuite, alors on va dire l'activité phare à sensation cette année, le mountain car, qui a donné lieu à deux tracés. Un tracé bleu que l'on fait en autonomie, en famille, à partir de 12 ans. Et ensuite un tracé rouge avec encadrement, qui lui est un peu plus pentu, un peu plus technique, un peu plus manœuvrier. Alors pour venir chez nous, c'est très simple à comprendre, c'est que déjà il fait frais. Donc chez nous, c'est la fraîcheur. La deuxième, c'est la facilité, c'est les vacances pour tout le monde, c'est la proximité et c'est l'innovation aussi. Chaque année, des surprises et des surprises au Carélis, aussi bien l'été que l'hiver. Cette année, ça sera le mountain kart. La suite, eh bien, on vous la dira pour l'année prochaine.